if Sleepy Joe ever became president, this country would be a mess. They would rip down everything. And make no mistake, united we can and will overcome this season of darkness in America. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash spécial de la rédaction d'Info TV pour vous annoncer qu'il n'y a toujours pas de président américain officialisé, alors que la bataille juridique à travers la communication est toujours en cours entre Joe Biden et le président républicain actuel Donald Trump, qui conteste les résultats alors que l'avance est pourtant pour Joe Biden. Info TV qui vous a fait vivre la nuit américaine du mardi au mercredi alors que aucun candidat ne se dessinait. C'est dès 6h30 mercredi matin, heure locale, que Joe Biden, vous les voyez sur ces images, a pris la parole pour devancer le président Donald Trump, qui voulait contester les résultats alors qu'il se faisait voler les résultats. Vous pouvez voir son tweet d'ailleurs signalé par les réseaux sociaux comme Twitter par exemple. Il dénonçait le président républicain, le vol de ses résultats, alors que le vote par correspondance a été très utilisé par les démocrates qui avaient peur du virus, donc peur de se déplacer. Plus de 100 millions de votes, hein, vous pouvez le voir sur cette infographie. 160 millions de votes au total en 2020, d'après une estimation. C'est beaucoup plus qu'en 2016. Et puis donc cette approche autour du coronavirus très différente entre le parti républicain et le parti démocrate, dûment opposé, avec, vous voyez, c'est près de 10 millions de cas confirmés dans tous les États-Unis, plus de 230 000 morts, hein. C'est vraiment un bilan très macabre du Covid-19 aux États-Unis. Bataille de communication sur les réseaux sociaux, de conférences de presse également, puisque dès mercredi matin aux alentours de 8h, Donald Trump a pris la parole avec sa famille depuis la Maison Blanche, histoire de montrer un petit peu sa supériorité puisqu'il était à la Maison Blanche, et Donald Trump qui a affirmé qu'il avait gagné alors que les résultats n'étaient pas du tout publiés. L'actualité en continu sur cette élection américaine se tient en ce moment même sur nos plateformes @groupeinfotv, sur Twitter, mais également sur Instagram avec nos nuits américaines et également tous nos décryptages, nos explications et nos analyses avec nos infographies et nos commentaires.